Chers internotateurs et internotatrices, amoureux du jeu de société, bienvenue dans cette Trick Track TV où deux experts internationalement reconnus vont aborder un jeu qui est arrivé là sur les étals pour ces fêtes de fin d'année 2011, un jeu qui répond au nom de Tutourista. Et qui de mieux, quand il est question de diarrhée, que l'excellent docteur Mob, tu vois, j'ai envie de dire, l'excellent monsieur Croc. Vous savez, il va nous manquer, je crois, le docteur Mob dans cette vidéo. Surtout dans celle-là. Qu'on vous explique. Monsieur Croc est venu nous expliquer des jeux de high level, du truc d'intelligence pure à base de pions, etc. Et sur un bureau traînait Tutourista. Et là, on s'est dit, comment peut-on passer à côté d'une explication de Tutourista? Oui. Hein, je pense que les gens en rêvaient. Nous, chez Trick Track, nous l'avons fait. Voilà. Monsieur Croc et moi-même allons essayer devant vous. Exactement. Tutourista, c'est un jeu, on va le dire, Goliath. Oui. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans. Bah oui, ouais, bon. Voilà. Mais je crois que ça amuse tout le monde au moins une fois. Au moins une fois. On n'a jamais ri comme ça, c'est le sous-titre du jeu. Quand on regarde cette petite boîte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il est l'heure de sortir Tutourista pour sa promenade quotidienne. Oups, la balade prend une tournure plus originale que prévu. Il est vraiment indécrottable ce chien. Voilà qu'il a des petits soucis de digestion. Il est donc question d'un petit chien qui va faire caca. Voilà. Et comme chacun le sait, quand un chien fait caca, il faut ramasser sa crotte si on est un bon citoyen. Voilà, citoyen. Cette musique dit donc de… Petite pelle. S'appelle. Je vais poser cette boîte derrière moi car nous n'en avons pas besoin. Je vais montrer quand même la taille de la règle. En fait, le dos du jeu montre 90% de la règle. Exactement. La seule chose qui manque, c'est l'explication. Après, il faut voir les FAQ. Hein, voilà. La FAQ fait 19 pages chez Goliath. Parce que la traduction française est très mauvaise. Et donc, cette petite règle, on n'en a pas besoin. Et donc… Alors, le matériel. Explique-moi. Alors, de la pâte slim, là. La fameuse. Autrement appelée pâte à prout, hein, comme on dit. Ah. Ça, hein, c'est… Vas-y, on a… Voilà, oh. Ah. Oh. Ça me rappelle ma dernière visite chez le proctologue. Alors, ensuite, il faut préparer une petite dose de nourriture. Alors, on va pousser ça pour qu'on puisse voir. Hein. Ça, c'est le chien, c'est Tutourista. Hein, voilà. C'est du bon plastique. Ça lui fait une petite gamelle de trucs. Hein. Ah, tu prends ce qu'il y a là-dedans. La dose, là. Alors après, on l'introduit par l'avant toujours. Hein. Ça se joue à 4, hein, donc on a une pelle chacun, 4 pelles. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas eu beaucoup de… Hop, on lui referme le caca. Avec un petit os. Avec un petit os. Et ensuite, à son tour, on jette un dé. Ok, celui qui est là. Oui, alors… C'est, je vais le montrer, attention, technique, pour un jeu aussi important. Technique. Petite caméra déportée, c'est un dé qui a cette tête-là, j'espère qu'elle est toujours bonne. Voilà, il y a… Arrête. Je ne sais pas ce que ça peut provoquer chez moi. Donc il y a un dé avec des numéros, c'est ça? Oui. Donc il y a c'est un. Le nombre de pression que nous allons appliquer sur la laisse. Car la laisse est équipée d'une petite poignée qui envoie de l'air, c'est ça? Oui. Donc le dé indique le nombre de fois on va presser. Il y a un petit symbole comme Et ça. Ben là, on s'échange les pelles. Ça, c'est les. On s'échange une pelle. Croc. On s'échange une pelle. Voyons. Tu n'es pas marié, toi aussi? C'est le principe. Si. Et il y a quoi d'autre? Et il y a vous, je vais vous passer votre tour. Mince. C'est tout. Non, bah, le but du jeu, quand même. Ah oui, le but du jeu. Que donc il faut récolter le plus de crottes possible. Comme ça, là, dans sa petite. Alors, normalement, c'est 3. Bon, je sais pas si on ira. À 3 crottes, on a gagné, c'est ça? 3 crottes, on a gagné. Je sais pas si on ira aussi loin, mais. Je commence? Tu commences. Allez. Jette ce dé. Ça fait 1. Donc, tu as pris une fois. Alors, là, attention, mesdames et messieurs, c'est le truc important du jeu. Oui, c'est vrai. Pour cette première impression, nous allons nous approcher du truc à son. Vas-y, croc. Vas-y. Oh, et là, on fait. Oh, Tutourista ne va pas bien. Ça va, Tutourista? Qu'est-ce que t'arrive, mon chien chinchouné? Tu as un mal au ventre? Deux. Moi, deux fois. Attention. Oh, mais Tutourista. Et tu as remarqué qu'il remue la queue. Oui. Je ne sais pas si Node peut le faire. Non, il est heureux. J'ai oublié de mettre ma pelle. Ah oui, parce que là, si ça tombe, ça tombe. Hein. Un. Tu fais un. Le son devient de plus en plus aigu. Oui, et on est au bord du précipice, je dirais. Ah, oh, je saute mon tour. Oh, moche. Oh, deux. C'est pour toi. Ah non, ça va être pour moi. Je saute mon tour. Oh, yes, mais c'est quoi ce jeu? Mais tu sais pas bien lancer les dés, c'est ça ton problème. En fait, je n'aime pas les animaux, contrairement à toi. On échange les pelles vides. Alors bon, m'en fous, j'ai la verte. À moi. C'est à toi. Ah, une. Et là, regrette. Ah! Bon. Est-ce que tu as vu la violence avec laquelle c'est… Que fais-je de ma crotte? Ah bah tu la gardes dans ta pelle. Parce que si on échange les pelles… Ah, tu récupères. Ah oui, c'est… Je... Alors, pendant que tu prépares, j'explique aux gens qu'il y a un petit orifice ici. Là, je vais la montrer à cette caméra-là. Je ne sais pas si… Voilà, ici. Alors là, pas bien à cause de l'éclairage. Voilà. Mais bon. Donc, si tu t'ennuies…
Ah bah oui. Tu peux, si tu as un micro-pénis, tu peux profiter du chien. Mais faut se faire plaisir. Faites ça discrètement. Et là, c'est à toi de jouer, je crois, parce que je t'ai piqué la première crotte. C'est ça. Ah, t'aimes bien lui bourrer l'os, toi. Allez, on y va. Jette le dé. Deux. Bon, là... Là, au son, je gagne, hein, sans vouloir... Deux. Moi, je veux bien que les gens ils entendent le son. Je vais me rapprocher là un petit peu de... Ici, là, oui, là, on va bien entendre. Ouais. Donc, je vais mettre ma petite pilulette. Moi, je pense que... On n'est pas loin. Ouais, hein. Ouais, ouais, on est pas loin. Oh, ah. Tu as tué le chien. Ah non. Ah, au moins, c'est stratégique. C'est, oui. Au moins, je serais pas venu pour rien. Oh, voilà, putain, je vais la faire sortir. Si je triche en appuyant doucement, on peut pas tricher. Juste... Ah, ah, vas-y, vas-y. 3. Vas-y, de toute façon. Non, je crois que... Dans la vraie vie... Dans la vraie vie... Ça laisse des traces. Oh non. C'est à toi. Bah oui, mais... Là, faut y aller à fond. Ah, trop. Ah non, c'était la tête de pelle, attends Ah non, hey, en règle internationale, tu as laissé ma pelle, c'est ma pelle. Non, ah, donc c'est à moi. Remets-moi une petite dosette. Ah mon Dieu, là tu as deux merveilleuses crotounettes. Je vais les montrer en caméra latérale. Voilà, c'est important hein, de voir cette chose. Voilà, un peu verdasse. Ils n'ont pas osé la mettre marron. Mais je pense que c'est parce qu'on aurait moins vu la... Exactement. Il fallu faire le chien jaune. Ils sont bêtes. Exactement, aussi. Oui, le contraire, oui. Un chien jaune, un chien des plaines. Mais oui. Mais ça se promène pas. Ça, c'est appel et c'est à moi de jouer. Tu viens de récupérer la croix. Oui. S'il te plaît. Ah, oh, mais... Ah oh. Dès qu'il est question d'intelligence pure, deux. Oh, putain. Ah, oh, mais c'est pas possible. En fait, on s'amuse même sans électronique. Ah ouais, t'as vu, le son est modulé au fur et à mesure que ça se rapproche. Je vais perdre. Hein. Ah bah c'est pas Kingdom Builder ou... Ah bah. C'est pas Aura Labora, hein. Oui, c'est Laborio, mais c'est Ben Châtelet. C'est Aura Non. Deux. Là, c'est pour moi. Si je fais un 3, elle est pour moi. Oh, même à ça, je gagne. Mauvaise journée pour toi, gros. Un. Et non. C'est moi. Oh, eh oui. Non, ça va être... Là, tu passes ton tour. 3, ça c'est dur. 1. Ah. Ah, il est cassé. Non, il est cassé. C'est pas que j'espère de moi. Hein. C'est pas condamné par là. Bon, tiens, tu veux encore. Non. On a vu comment ça marchait. Donc on l'a molesté là. On ne peut pas passer à côté. C'était des fermes définitifs. C'est tout tourista. C'est très con. Oui. C'est de très mauvais goût, mais je ne vois pas quel. Je ne vois pas. Ça te plaît. Oui. Je ne vois pas quel enfant peut résister à ça. Ça fait partie de ces cadeaux de Noël. On y joue une semaine et puis après on l'oublie à tout jamais. Parce que ça va se dégueulasser. Mais bon, c'est. Hein, c'est une bonne heure, quoi. Ouais, c'est une bonne heure de jeu. Avec des choses simples. En dessous de, on a dit quoi, 25 euros, 20 euros. 4 ans, je croyais. Ouais, aux alentours de 25 euros. Ouais, vraiment en dessous, si on fouille un peu. Ouais. Je pense que c'est dans toutes les grandes surfaces. Voilà. Hein, je pense pas qu'il y ait un magasin spécialisé qui est genre de choses, quoique. Voilà, c'est tout tourista. Si vous aimez le mauvais goût et vous n'aimez pas les animaux, c'est fait pour vous. En fait, il y a du mauvais goût et du mauvais goût. Ouais. Ça, c'est plutôt du mauvais goût. Générique ? Ah ouais. Merci, Croc.